On vient d'être terminé. Je m'appelle Ari Ahmad Nobuyuki et je appartiens au département de relations extérieures. Enchanté. Au jour du 29 juillet, et déjà 130 pays et 8 organisations internationales ont déjà exprimé leur participation officielle. Et nous avons mis la 150 pays, ça c'est notre objectif de participation officielle. Donc nous avons déjà eu la participation 130. Et à Osaka? Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est la première organisation internationale universelle. C'est tenu à Osaka 1970 et deuxième c'est fait 2005 à Haïti et puis 2025 c'est encore à Osaka. Troisième. Et c'est le concept de notre exposition internationale. C'est un laboratoire vivant de peuple, un laboratoire pour une société de l'avenir. Donc nous allons créer un espace où les milliards de domaines pourront non seulement voir des objets exposés, mais aussi co-créer notre société future. Et deuxième, c'est même avant le début de l'expo, une plateforme en ligne sera lancée pour partager défis et solutions provenant du monde entier. Et troisième, c'est notre exposition, c'est un lieu où le savoir mondial, tel que la technologie de pointe, sera rassemblé et utilisé pour concevoir de nouvelles idées et les partager afin d'aider à résoudre le problème auquel l'humanité est confrontée. C'est vrai, l'objectif de l'Expo 2025, c'est nous avons deux objectifs. Et une, c'est la contribution à la réalisation des objectifs de développement durable. Et deuxième, c'est une réalisation de la stratégie nationale japonaise Société 5. Et au moment de la décade 8, bien sûr, je pense que plus de 50 pays africains ont participeront à cette réunion et bien sûr cette conférence initiée par le gouvernement japonais et la Banque mondiale etc. Et tout d'abord les pays africains au Japon peuvent partager les enjeux à l'échelle mondiale et après nous allons à l'occasion de l'Expo 2025 nous pouvons trouver la solution à ces enjeux mondiaux. Donc c'est un bon moment pour partager et le TICA 8, c'est un bon moment pour partager les enjeux, les problèmes mondiaux. Actuellement, notre staff, le nombre de notre staff à peu près de 400, mais définitivement nous attendons 500 employés. Mais presque tous les employés viennent de plusieurs organisations, telles que organisations gouvernementales et municipales et secteur privé. Nous avons beaucoup de le savoir-faire et nous avons beaucoup d'expérience. Donc, chaque personne peut contribuer. De réaliser cette exposition. Donc nous avons déjà avoir beaucoup d'expérience ou bien d'expertise. C'est le coût total de construction et c'est 18 milliards, 180 milliards de coût total de construction. Milliards de yens ou de dollars? Ah, yens d'abord. Précisément, et 185 milliards de yens japonais pour la construction totale et environ 81 milliards
yen japonais pour le coût d'opération. Et nous allons déjà commencer la communication avec votre pays en voie de l'ambassade du Japon. Mm-hmm. Et donc, oralement, il peut dire, bien sûr, on va participer, mais il me dit qu'il a besoin de procédures administratives au niveau du gouvernement de Tunisie. Le gouvernement de Tunisie doit envoyer une lettre officielle auprès de l'ambassade du Japon ou bien ministère des Affaires étrangères à Tokyo. Mm-hmm. Donc, de procédure très simple. Donc, je voudrais souligner que la visiteur anticipée total, c'est environ de 28 millions. Et ça, c'est le nombre de visiteurs prévus, oui. Mm-hmm. Oui. Et la période, notre exposition débute en mois le 13 avril et jusqu'à 13 octobre 2025, donc à peu près de 6 mois, précisément c'est 184 jours. Ça, c'est la durée de